quoi. Qu'est-ce que toi, la personne qui te qui fait rien là, qui te protège même pas, hein, t'en as rien à foutre des infirmiers, des infirmières, etc. T'en as rien à foutre de tout ça. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, quoi? Bon, de toute façon, la personne. Qu'est-ce que je voulais faire de plus? De toute façon, maintenant, moi je vais sortir. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Elle passe ou pas? Non. Bonjour. Et même dans mon jardin, ce que je vais faire, je vais me mettre là. Oui, j'ai reçu un cadeau par colis là. J'ai reçu un cadeau. Et du coup, je vais me mettre là le gros casque avec la musique. Quoi. Voilà, comme ça, j'entendrai plus les gens parler. Même si on m'appelle, ben, j'entendrai pas. Même si on me parle, j'entendrai pas. J'aurai la musique dans les oreilles et j'entendrai rien du tout. Voilà. Alors, désolé les gens, si vous me parlez et que vous me voyez avec le gros casque et que vous me connaissez, je vous entendrai pas. Hein. Je vous entendrai pas. C'est pas que. Voilà, maintenant, je vais faire ça. Même. Quand je vais sortir, voilà, je vais me mettre la musique dans les oreilles et comme ça, j'entendrai plus personne me parler. Quoi. C'est hallucinant. Ah, il y a des gens qui sortent. Oui, là, il y a une autre dame. J'espère que j'ai pas fini la dame là, du visage. Bon, mais on est éloigné quand même. Hein. On est éloigné et on n'est pas à côté. Non mais c'est grave d'en arriver à ça quoi, c'est grave. Là il y a une mamie là qui a des fleurs dans la main là, des. Ils sont beaux. Elle a un beau bouquet dans la main, c'est magnifique. Et voilà, c'est dommage d'en arriver à se prendre la tête quoi, c'est dommage d'en arriver à ça quoi. Dommage. Tiens, est-ce que vous pouvez imaginer quoi, quelqu'un vous a entendu tousser et vient vous engueuler parce que la personne n'était même pas à côté de vous, n'était même pas là, vous entendu tousser quoi, c'est comme si quelqu'un dans un bâtiment là m'entendrait tousser. Et après, ils viendraient m'engueuler parce que la personne m'a entendu tousser, quoi. Mais ça va pas. Dieu, moi, dans le bâtiment, il y a des gens qui toussent et tout. Alors, je m'en fous, qui toussent, je leur dis. Et il y en a qui éternuent, et alors ils éternuent. Mais jamais de la vie. Tiens, ça fait 3 ans passé que j'habite ici. Mais jamais de la vie, je suis allée dire aux gens. Là, c'est encore pire. Là, c'est pire. Parce que bon, vu que c'est le confinement, il y a le virus, les gens, mais... Moi, en tout cas, voilà, moi, le médecin m'a demandé hein, comment je le vivais, le confinement, tout ça. Oh, mais moi, je le vis très bien, moi. Ah, moi, je le vis très bien. Je fais 3 fois ma sieste dans la journée. Je regarde plein de films, je me promène avec mes chats, voilà, les chats du parc, Sushi qui habite de l'autre côté là-bas, voilà, je veux dire, mais moi je le vis très bien. Je le vis très très bien.
ben là, beaucoup de gens, eux, ils stressent énormément, quoi. Ils sont dans un... Ben non, ben, c'est psychologique, quoi. Je veux dire, pour moi, je suis habituée, moi, à vivre seule. Ça fait des années que je vis seule. J'aime ma solitude. Ça ne m'empêche pas d'être sociable et d'être avec des gens. Voilà, ça ne m'empêche pas du tout. Disons que moi, je suis capable voilà, de vivre seule sans problème, quoi. Voilà, c'est psychologique, mais j'ai pas de recette miracle, quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au docteur. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle à donner aux médecins. Les gens sont pas habitués à vivre seuls. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Il y en a même qui m'ont posé un jour la question, mais est-ce que tu t'ennuies pas? Ben, non, je m'ennuie pas. Ben non, je m'ennuie pas. Mais j'ai pas le temps de m'ennuyer, moi. Je regarde plein de vidéos intéressantes sur Internet. Je regarde plein de films. Comment tu veux que j'ai le temps de m'ennuyer? J'ai pas le temps de m'ennuyer. Je vais me promener, voilà, avec mes chats. Je réfléchis à comment je pourrais expliquer ça, mais je vois pas d'autre explication, quoi. Non, moi, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. J'aime la tranquillité. J'aime le silence. Voilà. Après, ça ne m'empêche pas d'aller dans un magasin où il y a plein de monde, d'aller faire mes courses et tout. Ça m'empêche pas. Non. Alors moi, ce que je n'aime pas dans la foule, c'est quand on est serré. C'est quand on est serré comme des sardines, quoi. Tous les gens bousculent avec les chariots et tout. Ah, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça c'est un truc que j'aime pas. C'est les bousculades.